Allez, ça tout le monde, c'est Azuric Peracia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 39 de notre aventure 100% sur Super Mario Sunshine. J'espère que vous allez bien. Et écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 39 de ce Let's Play. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait continué notre parc Pina, dans lequel on avait fait le 5ème Shine sur les 8 hein, principaux. Et donc les amis, aujourd'hui nous allons partir en direction du parc Pina de nouveau, mais avant, Anti-Mario avait tout simplement une buse à sa possession. Et il est parti là-bas, ce petit chenapin qu'on va devoir l'attraper. Donc on y va, on va lui régler son compte à ce petit Anti-Mario. Donc bon, il n'est pas non plus difficile normalement. Oh, t'es sérieux? Merci. Non, la catabuse était presque à moi. C'est la catabuse, chargez-la avec ZDR pour décoller. Et évidemment, ça nous permettra de faire plein de petits shines sympathiques, comme par exemple celle-là qui est à côté. Mais bon, on va pas le faire maintenant, voilà, je vous le dis. Là, on va aller direction le petit parc Pina. Tac. Ah, houhou. Ah, pitch. Hop. Il peut même... Je vais faire une pierre de coups. Tac. Oh dommage. Ça aurait été genre, j'ai vraiment voulu ne pas faire un truc stylé, mais t'as pas voulu. Bon ben let's go hein, on y va. Let's go sur le, dans le parc Pina. Et nous voici le secret du carrousel des Yoshi, les amis. Et un shine que j'aime aussi beaucoup, bah je les aime tous en fait. Je les aime tous les shines de ce jeu, donc voilà, hein, on commence à connaître. Hein. Eh oui. L'entrée du parc Pina et oh mais tu le sais dire, ouais, ils vont pas changer de dialogue. Hein. Le tournesol a réussi à protéger mon enfant. Maintenant, je suis sûr qu'il va devenir grand et fort. Ah d'accord, non, elle dit quand même des nouvelles choses. Hein. C'est ouf. Bienvenue au parc Pina. Et voici le secret des carrousels de Vichy. Bon, ok, c'est facile. Hé, quelqu'un a trouvé un véritable œuf de Yoshi, un vrai de vrai. Voici le carrousel des Yoshi. Tu as déjà entendu parler des Yoshi, ils avaient l'habitude de... Oui, oui, tu as déjà dit, mais maintenant il n'y en a plus aucun. Oui, ça tu me l'as dit, donc voilà, c'est là. Regarde, le Yoshi orange a disparu du manège. Dis monsieur, tu sais ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'il faut remplacer ce Yoshi. Génial dans les œufs, oui, ça tu m'as déjà dit un milliard de fois. Touti touti doui, bon, ils vont dire la même chose à chaque fois en fait. Oh oh, on est dans la merde là. Ah, on m'en doutait. Oh putain, tu me pètes tes couilles toi. Papa, on va faire un tour sur l'œuf, allez, allez. Sur l'œuf de quoi? Il paraît que quelqu'un a trouvé un œuf de Yoshi. Oui, où est-il? Bah dans ton cul. Bon, j'abuse. Je n'ai pas vu d'œuf, mais il est là-bas l'œuf. Et c'est une banane. Bon, bah écoute, qui veut. Juste pour être sûr, on va encore tester ce manège. Nous sommes en train d'effectuer des tests sur cette attraction. On revient plus tard. Ok. Bien, celui-ci semble être ok maintenant. Ah oui, maintenant oui. Tac. Arrive une banane.
Qu'est-ce qui se passe avec cet œuf? Qu'est-ce qui se passe avec cet œuf? Ben voilà, il est là. Le petit Yoshi. Bon, maintenant vous savez ce qu'il faut faire. Le petit truc orange. Limite, on peut faire le petit truc. Oh, dommage, je voulais vous le montrer. Ouh, on a gagné beaucoup de vitesse, mais pas dans la bonne direction. Ah, dommage. Non. Pas dans la bonne direction. Et évidemment, c'est là-bas qu'il faut aller. Évidemment, c'est un niveau secret. Il fallait s'en douter. Bon, au cas où, c'est pas le plus difficile, hein. Voilà, la première phase est easy. Oui, je pense que vous avez remarqué les taches. On dirait l'œuf du Yoshi, du coup. Il y en a de plusieurs couleurs. Vous avez peur, hein? J'aime bien vous faire des crises cardiaques comme ça. Des arrêts cardiaques. Vous avez peur, hein? Talalam. 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 Mais non, n'ayez pas peur. Ouais, bon, ça va, j'aime bien vous inquiéter un peu. Alors, je pense que vous avez compris, hein. Le rouge, voilà. En gros, le rouge, il va là, il tourne. Et si là-bas, si on se fait prendre par le rouge, on tombe parce que là-bas, c'est fermé. Et alors, à l'inverse, si on veut aller là-bas, on peut passer par le rouge pour aller là-bas. Et d'ailleurs, la vitesse varie. Vous avez vu, le rouge va très lentement, le vert va un peu plus vite, le gris va un peu plus vite et le bleu va beaucoup plus vite. Mais voilà, il y a, voilà, le vert, voilà, c'est la même chose que, alors que c'est l'inverse, c'est... là-bas c'est fermé, mais là-bas c'est ouvert. Après le noir pareil et le bleu pareil quoi. Alors il y a ici il y a plusieurs raccourcis. On peut prendre ce raccourci-là pour aller là. Sinon on peut voilà. Je vais vous montrer comment le faire. C'est assez easy. Ah par contre si on saute droit ça serait bien quand même. Voilà et du coup en fait tu fais ça et voilà t'es là. Bon après c'est un peu cheaté je vous avoue. Mais sinon la marche à suivre, hein, normalement. Vous faites ça tranquillement. Vous allez là. Donc là, on va attendre un petit peu le petit bloc. Hein. Voilà. D'ailleurs, aussi là, hein, pareil. Là, si vous faites un saut comme je vous ai montré, on peut y aller. Mais voilà. Oh, par contre, ok, j'ai surtout mal visé pour atterrir. C'est pour vous montrer, hein. Ah là là, bon, pas grave, on le speedrun cette phase. C'est bon, au bout d'un moment, tac. Tac. Alors, dans cette version, c'est pas très conseillé parce que les boutons pour aller de l'autre côté sont pas du tout les mêmes que la version GameCube. Donc, on peut pas trop passer par-dessus le truc. Mais voilà, c'est pas grave. Voilà. Oui vraiment je pense que vous avez vu hein, je gère vraiment bien le jeu. Au bout d'un moment c'est comme un métier hein, ce jeu. C'est comme un métier. Limite les yeux fermés. Voilà. Et pareil vous avez aussi ce petit côté mais ce côté est un peu plus difficile. C'est un raccourci mais il est beaucoup plus difficile à faire que le chemin classique, on va dire ça comme ça. Ah, ici, voilà, pareil, on va attendre que le bloc descende. Là, vous avez vu que c'est assez loin. Alors, si vous tombez, pas de soucis, pas de panique. Faites comme ça. Soit vous retombez en bas, hein, vous pouvez retomber en bas pour remonter là directement. Sinon, vous faites ça. Voilà. Et une fois que vous êtes là, en hauteur, vous pouvez sauter là.
et ensuite vous pouvez atterrir là où il y a l'étoile. Et voilà. Enfin le soleil, pardon. Et du coup nous avons notre soleil. Ouais, et dites-vous qu'on vient de là-bas. Eh ben nickel. Ben on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas pour cet épisode. Excusez-moi. Ben écoutez, on va pouvoir s'arrêter là, hein. Hop. Là, tac. Oh, ce bâtard! Il a pas voulu. Merci. Ah, pas assez de vitesse. Merci. Et du coup, bah voilà, écoutez. On aura monté. Bah écoutez, bah la fois prochaine, on continue, hein. On continue le parc Pina, évidemment, je pense que vous en doutez. Dans lequel on fera du coup le 7e soleil, l'avant-dernier soleil principal de ce parc Pina. Donc écoutez, merci de m'avoir suivi pour cet épisode numéro 39 de cette aventure 100% Super Mario Sunshine. Et du coup, bah, dans l'épisode 40, les amis, déjà la quarantaine, on ira tout simplement faire le 7e soleil de ce parc Pina. Allez, d'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde. Hey, peace!